Marie, comment tu fais ça? Comment je fais quoi? Je me fais poser la question, Marie, comment tu fais pour arriver à tout faire ça? Puis moi, de te dire, je ne sais pas c'est quoi le ça. Pour moi, je vis de façon naturelle et le ça, c'est mon rythme de vie. Je sais que c'est pas tout le monde qui est sur le même rythme, c'est pas tout le monde qui est pareil et je respecte ça, sachez-le. Okay? La seule chose que je peux te dire et te donner en conseil, c'est que pour faire tout ça, je n'écoute pas la télé. Alors, ne parle pas de séries sur Netflix, je ne les connais pas. Et parle-moi pas de TVA, les séries le soir de 7h à 9h, 10h, je ne les connais pas, ces séries-là. Okay? J'utilise mon temps pour faire ce que je sais que je dois faire et qui va être bien pour moi pour aujourd'hui, demain et après-demain. Un exemple. Hier soir, on était vendredi, je suis arrivée ici, il était 9h, 9h15, je pense. Et puis, j'ai fait ce que je devais faire pour partir mon samedi en force. Fait que j'avais préparé ma bouteille pour mon workout, ma bouteille pour la route et ma bouteille pour mon shake. J'avais coupé mes morceaux de fromage, j'avais coupé mes crudités, puis mes amandes, ben dans le fond, je les ai toujours dans mon auto. Mais je planifie, je prépare. Alors, l'autre mot d'ordre, je te dirais, c'est organisation. Et planification. Ça ne me tente pas toujours, OK? Je vous le dis, je suis humaine, OK? Comme vous. Il y a un vieux sage qui me dit il n'y a pas si longtemps, c'est quelques minutes de désagrément pour tout le plaisir que ça peut t'apporter après et le stress que ça t'enlève. Alors moi, là, en ce samedi matin, je me suis levée et j'avais juste à prendre ce qui était dans mon frigo, le mettre dans mon sac. Mais sinon, tout le reste était prêt. Mon sac de vêtements pour mon entraînement était déjà près de la porte. J'avais déjà mes vêtements pour ma visite et ma rencontre à Saint-Sauveur. J'avais déjà toutes mes choses de planifiées. Alors, je me suis levée sans stress, avec le plus beau sourire. Je suis allée au gym. J'ai parti ma journée du bon pied. Puis voilà, je suis ici à vous jaser de mon ça. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Je te dis juste. Fais ce que tu sais que tu dois faire, même si ça ne te plaît pas toujours au moment que tu le fais. OK? Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Passe moins de temps devant la télé et fais plus de choses que tu dois faire et tu vas pouvoir faire tout ça. Si jamais tu as d'autres questions, si jamais tu veux que je te partage d'autres tranches de vie, écris-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider et te partager mon ça, tout simplement. Sur ce, bonne fin de journée!